c'est un personnage méconnu et qui devrait être en tous les cas aussi connu qu'Agrippa Théodore Agrippa d'Aubigné, Théodore Agrippa d'Aubigné en fait. Et il est passé dans les oubliettes de l'histoire et dans les oubliettes de notre patrimoine culturel historique parce que c'est un protestant, qu'il a écrit des livres d'histoire pour justement essayer de démontrer que les protestants ne sont pas des hérétiques et qu'ils se sont engagés par légitime défense. Seulement, ces ouvrages sont tellement d'une grande intensité historique qu'ils ont été récupérés, plagiés par des auteurs et des imprimeurs catholiques qui se sont débrouillés à complètement noyer ces publications au profit des leurs. Et pendant longtemps, on l'a oublié. Sauf quelques personnages ici ou là, mais finalement, il n'y a pas eu de diffusion de ces livres d'histoire, comme il y a pu avoir des diffusions de livres d'histoire de personnages beaucoup plus anciens que lui. Je pense par exemple Eginhard, le biographe de Charlemagne, par exemple. Moi, je suis bordelais de formation, donc j'ai été formé à l'université d'histoire de Bordeaux, enfin la faculté pour être précis, Bordeaux 3, Michel de Montaigne, Bordeaux 3. Et ma directrice de maîtrise à l'époque était Anne-Marie Cocula, donc qui a été présidente de Bordeaux 3, l'université Michel de Montaigne Bordeaux 3, et même vice-présidente du conseil régional d'Aquitaine. Et mon premier sujet de recherche en histoire était sur les raisons de la rébellion rochelaise, de la ville de La Rochelle, au XVIe siècle. C'était une ville qui était neutre et tout d'un coup elle passe dans le camp protestant, donc il fallait essayer de comprendre cela. Et ma source principale a été La Peuplinière, ses livres d'histoire. Parce qu'il est contemporain des événements et il est tellement au fait des événements, il est tellement aussi rigoureux dans ses analyses et dans ses prises d'informations que finalement on arrive à tout comprendre par sa lecture. Et j'ai même étudié le siège de 1572-73, celui de La Rochelle, et j'avais essayé de voir combien il y avait de réfugiés dans la ville. Donc j'ai fait quelques péréquations, avec évidemment une marge d'erreur. Et le chiffre que j'ai évoqué était très très proche de celui annoncé par La Peuplinière dans son Histoire de France. Il se serait converti à l'âge de 16 ans. Comme on ne connaît pas bien sa date de naissance, on la situe entre 1541 et 1545. Il semblerait que ce soit à Toulouse, parce que généralement à l'âge de 16 ans, c'est comme c'est l'âge où, à l'époque, on entreprend des études universitaires. Et donc, pourquoi à Toulouse? Parce que le milieu étudiant à Toulouse est un milieu totalement gagné au calvinisme à ce moment-là, et un milieu très armé aussi, donc prêt à se défendre. Ouais. D'ailleurs, il va participer aux événements de Toulouse en 1562, et il sera même capitaine d'une compagnie improvisée d'étudiants poitevins, angoumoisins, saintongeais et onisiens. Et il se convertit parce que il n'accepte pas que les catholiques n'aient pas essayé de mieux comprendre ce qu'ils appellent les hérésies, et que sans comprendre, sans vouloir comprendre, puisque ces hommes-là, ces chrétiens-là, sortaient du dogme de l'Église, ils ont été condamnés manu militari. Et ça l'a profondément choqué, et ça heurte ses convictions humanistes. Et donc ça le pousse à se convertir au protestantisme et à la religion de Calvin. À La Rochelle, qui est la capitale hunote du royaume de France, donc capitale protestante du royaume de France entre 1573 et on peut dire jusqu'à 1598, eh bien c'est un port, La Rochelle est un port, et donc le meilleur moyen de faire gagner de l'argent à la cause protestante, c'est de laisser libre cours à l'activité corsaire, pour que les hommes qui s'embarquent sur des bateaux puissent arraisonner des bateaux ennemis catholiques, portugais, espagnols, bretons, etc., pour les ramener au port, déclarer la prise légale, puisque nous sommes en temps de guerre, et vendre à la fois les marchandises qui se trouvent sur l'embarcation et l'embarcation elle-même. Donc, en 1574, le voilà disponible.
pour justement se lancer dans la guerre de course, comme on dit, et d'être capitaine d'un navire, la Florissante, et donc de partir en mer. Ça n'a pas duré longtemps, il va faire finalement deux campagnes, mais il ramènera un bateau breton de Port-Sal, et bon, il rentrera à peine dans ses frais, mais bon, l'aventure vaudra le coup finalement. Le peu de personnes qui ont écrit des notices sur lui, on dit qu'il était mort de misère, etc. Non, il n'est pas mort de misère, il avait un patrimoine assez important, surtout qu'il a fait un riche mariage avec Marie Bobineau en 1578 à La Rochelle, qui appartient à l'intelligentsia commerciale de la ville. Mais comme il se rendait fréquemment à Paris, et justement au mois de décembre, janvier, bon, on dirait pour les fêtes de Noël aujourd'hui, c'est un petit peu exagéré, mais c'est un peu ça. Eh bien, en 1607-1608, il est à Paris. Or, en 1607-1608, il y a un hiver extrêmement rigoureux. La Seine gèle et il a dû attraper froid. Vu la médecine de l'époque, ben, il est mort effectivement d'une bronchite assez forte.